Donc là, j'ai un tas de se lasser. Je montre moi la classe. Du nouvel écran de chargement. Alors, tac. Bon. Voilà, je mets un peu ça du coup. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le nouveau DLC, la nouvelle carte en plus, le nouveau modificateur. Ça, c'est ce qu'on a déjà eu. Et donc, bah là, du coup, on va aller voir tout ça. Oh! Classe! Feu, acide, électrique. Vous pouvez sélectionner toutes les options dans le coffre mystérieux, mais vous ne pouvez plus jeter de parchemin. Oh! Oh, en vrai! 100% de munitions supplémentaires et des autres types de du tir des armes à munitions normales. Ce sera pas spécialement pour moi. Pour cette munition spéciale. Genre d'un tir à la grosse munition. Ouais. 400% de grosse munition lors du tir avec des armes à munitions spéciales. Moins de munitions de chargeur par seconde et obtient une pile après avoir rechargé. Puis remonte les dégâts de l'arme, cesse de consommer lorsque le chargeur est en dessous de 50%. Ok. Tout consommer lorsque le compte de compétences est atteint la limite supérieure de 10%. Alors atteint la limite supérieure, 10% de dégâts d'arme pour chaque charge consommée. Ouais. Les options d'assassin sont fixes à 2, vous avez 3 chances de sélectionner les deux options. Oh! La bénédiction déguisée? Mama? Change le nombre de copper à 904. À 9876, et quand on change de niveau, le chiffre le plus grand passe à 1. Donc en gros, c'était à 9999. Je peux passer à
1999 à 1199 à 9919. Au niveau suivant, c'est jamais, t'es toujours avec tes 9000. 9991, tu peux être à 9911. Ouais, ok. En vrai, ça peut être intéressant. Oh là. Les armes acquises ont toujours deux inscriptions exclusives. Le nombre maximum d'inscriptions exclusives est fixé à 2 et la limite supérieure totale des inscriptions est fixée à 4. Oh, ok. Beaucoup de nouveaux parchemins. Alors. Ça, je les ai cru quand il y en a. Par contre, comment on fait déjà pour ça? Talent. C'est ça. Donc. Plus 30 PV pour Nona, plus 25% pour le pet. Plus 100 de dégâts pour Iron Wake, plus 100 de dégâts pour les missiles, donc pour la grenade probablement. Surchance 15 secondes après rechargement. Parce que Nona était. Oh! Donc il y a un reste supplémentaire, même si on est en solo. Il y a 25% de chance que 100% de dégâts. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Améliore la qualité des parchemins. Intéressant. Une tentative de réinitialisation pour chaque ascension obtenue. Ok, donc lui, ok. Donc le magicien va jouer vraiment sur les ascensions et l'autre va jouer avec un pet. Ok. Si tu as l'autre, n'inflige aucun dégât, récupérer 100% du temps de recharge. Après avoir tiré X cartes, le taux de tir améliore pour atteindre un maximum de 2,88. Après améliorer une ascension au niveau 2, sa chance d'apparition augmentera. Ah, oh, ça c'est bon! Bon, malheureusement, ça ne marche que sur le héros, mais en vrai, c'est très intéressant. Après avoir changé de niveau, optimiser les chances initiales de piocher Astro Aspect. Ok. Bah, en vrai, tout ça, c'est très intéressant. Donc là, du coup, pour commencer, on va découvrir l'ingénieur, enfin l'artisan. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on a? Fortune indépendante. Les joueurs peuvent sélectionner. Donc, ça y était déjà avant. Les ennemis aussi. Alors, arsenal transcendant. Dans la chambre forte du niveau précédent, précédant le niveau du boss, sauf la tombe, vous pouvez déposer et retirer les armes puissantes de l'arsenal auprès des gardes de l'arsenal. Donc, en vrai, c'est intéressant. Pour déposer les armes quand on arrive à un boss, ça peut être intéressant. Alors, comment débloquer les nouveaux? En solo, difficulté cauchemar au supérieur, utilisez Nona pour passer toutes les étapes sans qu'elle le fer n'ait été vaincue. En vrai? Cauchemar au supérieur, donc ça veut dire je fais une réincarnation 1. Faut juste que Nona ne se soit pas à terre. Et ça passe. Et je vois rapidement du coup combien de kills il faut faire avec la grenade avec ce perso. Allez, alors 500 kills avec le largage de mecha. Utiliser largage pour attirer l'attention des ennemis 500 fois. Ok. Et du coup, c'est toi, Iron Wig. Obligé. Poule par réaction. Et ben, on va découvrir. S'il te plaît.
classe! Donc je tire en gros, donc je sais, j'envoie le pet attaquer. Calme-toi. Ah, c'est stylé! Ok. Donc ça, du coup, ça fait un laser quand on reste appuyé sur clic droit. Ok. On peut prendre ça. Ah, dommage. J'aurais juste aimé être sûr de stocker quelle attaque et laquelle. Enfin, le nom des attaques. Mais normalement, ça devrait être ça. Hein. 9. J'adore. Oh, je vais devenir fan. Pour du solo, je vais devenir fan. Kaboom! Oh, cette arme aussi va être géniale! C'est tellement plaisant! Go en vrai! Je pense pas mais le pet qui va aller s'occuper des ennemis. Ouais, en gros, c'est je lui ai envoyé l'ulti pour qu'il se retourne contre. Hop, on va faire ça. Ça va être génial! Kaboom. Ok. Pas pour ça, hein. J'ai aussi hâte du coup de voir comment ça va marcher sur les boss. Enfin, les dégâts que ça va faire. Ça va être très intéressant. Alors, 20% de chance que. De coup, chance lors d'un coup critique, ouais. Après avoir utilisé la compétence principale, 30% de dégâts d'armes, 60% de dégâts de compétence, ou la puissance d'attaque et de vitesse de. Ah oui! Bingo! Bingo! Oh, ça va être débile! Ok, y'a rien d'autre. C'est génial! Ouais, faut vraiment bien viser la tête. Enfin, faut bien viser le critique pour faire de bons dégâts. Ouh, laissez le pet s'amuser. Non, mais vraiment, ce pet. Ce pet va être génial en fait. Ouais, on peut prendre ça en attendant. Ce perso déjà est génial. Donc là en gros pour avoir déjà le premier succès, ça va juste être de spammer l'ulti. Et j'ai un élite. Coléoptère?
J'espère que ce sera au moins le... Comment il s'appelle? Le lancer, mais bon, j'y crois pas des masses. Oh, la limite, le cavalin, je peux le tenter. Ah, oh, let's go. Alors, voyons voir. Ok, donc déjà, il ne le stun pas. Merci. Non, vraiment, cette arme est géniale. Ça va être mon nouveau joujou. Comme ça, si je me prends des parchemins maudits, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Cadeau. Cadeau. Non. Seconde. Cadeau. Voilà. Là, ça déploie à faire des dégâts aux ennemis sur soi. Bon, bah, je vais prendre les deux pour tester. Ah, ok. Donc c'est j'envoie, je ramène, j'envoie, je ramène, j'envoie, je ramène. Ok. C'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est pas mon style d'arme. J'ai pas besoin. Alors, les dégâts de base de l'arcage de Mecha deviennent 365. Ok. Mon attaque peut libérer une onde de choc en avant, infligeant des dégâts basés sur 300% de la puissance de la. J'ai envie d'être débile. Le but c'est de laisser jouer le méca, donc on va laisser jouer le méca. Élémentaire, critique, parfait. Cadeau. 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 Vraiment, ce bête est génial. Je te connais déjà. Alors, petit coffre, qu'est-ce qu'on a? Donner un... Oh. Ouais. Je m'en serais bien passé dessus là.
Cadeau. Oh, le temps qu'il attaque. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Amateur de feu, non. D'ailleurs, les icônes en bas à gauche ont été drastiquement réduites. Cadeau. 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 En hauteur, par contre, ok, non, c'est des armes. Capacité de missiles de bois dur, restaure une utilisation pour procurer Iron et lancer 5 missiles, bof. On va augmenter ça encore. Requin de loup. Donc en gros, ça tire soit des balles électriques sur le cri gauche, soit deux balles avec un cri droit. Déclenche une dispersion des projectiles. Ouais, bah, de toute façon c'est un peu tard. J'ai pas vraiment envie de me débarrasser des autres armes. Juste voir s'il propose un autre poulpe. Violent. Est-ce que tu peux sauter là-haut? Lorsque Iron n'a pas été vaincu, il commence à assembler des mechas de secours. Pour les mechas de secours entièrement assemblés s'autodétruira lorsque le compétent. Bah non, du coup, dans tous les cas, mon but c'est pas qu'il meure. Par contre, mon but c'est qu'il charge explosif. Le chargement inflige des dégâts d'armes actuels aux ennemis dans un rayon de 8 mètres pour chaque 0,5 à recharger des dégâts. Chaque. Hein? Ok. Pourquoi pas?
Je vais pouvoir vendre mon autre parchemin du coup. Quoi? Alors, 30% de dégâts subis par Nona. Partagé avec elle de fer. Pendant 5 secondes, avec elle de fer inflige des dégâts. 3. Elle de fer, madame. C'est violent. C'est violent. Juste un focus sur le même ennemi et ils sont morts. Couché. C'est clairement pas mes grenades qui vont faire le taf, hein. Voilà, on va au moins faire ça pour la farm, hein. Alors, juste 30. Voilà. Mon casque avait a besoin d'être chargé. Là, je le mets là. Cadeau. En fait, le problème, c'est que les ennemis ont même pas le temps de le focus vu qu'ils meurent instant. J'avais pas vu. Cadeau. Cadeau. Bon, le problème c'est que là niveau. En fait comme il était niveau 0 de base, il a quasiment rien donc j'irai si je peux pas retomber dessus à plus de niveau. Alors plus de bouclier maximum, le bouclier commence à se recharger immédiatement après avoir détruit. Après avoir été détruit. Ok. Dégâts de base, maintenez le bouton de compétence pour tirer rapidement la compétence secondaire. Bonjour, je vais être débile. Alors, c'est... Oh oui, d'accord. Donc quand j'augmenterai les dégâts, du coup ça va être encore plus débile. D'accord. Bon, ça c'est fun. Restaure du bouclier, en détruisant un restaure du bouclier.
Ouais. On va déjà prendre ça. Allez. Coucher. Par contre, je vais éviter. Bon, si j'ai un truc pour m'empêcher de recharger, c'est oui. Focus bien. Cadeau. 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 C'est génial. Kabouche. Dernière vague. Gauche. Focus. Ah, c'est génial. Je ne fais que tirer pour la farm. Alors. Un coup critique avec un pistolet garanti à un coup critique. Chance de coup critique, joueur d'un coup critique. Affiche de dégâts équivalent au. Ouais. On va rigoler. Ok, un petit défi. J'ai ma tourelle. Tourelle enclenchée. Va te coucher. Par contre, ce serait mieux que vous calmiez les ennemis, ce serait mieux que vous tourniez un peu à droite à gauche. Alors oui mais non. Cadeau. Cadeau.
Alors, qu'est-ce que ça propose? Non. Voir qu'un monstre amélioré plus un effet de manipulation entre les ennemis. On va prendre ça. Voilà. Capuche. Capuche. Faudrait des PV pour des PV ou des PV pour... On va prendre ça, 1, 2, 3, ça pas proc. On verra. Mais si en vrai, je pense que ce sera beaucoup plus pratique. Le gain. Cadeau. 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 Ouais, je vais aller prendre le gant après en fait. Tous les autres frappent deux fois, ça applique 15 mais... Mais c'est pour ça que j'avais pris aussi. Hop. Les ennemis provoquent un tir dispersé, les ennemis touchés par le dispersé, convaincre. Bon. Allez, si, allez, au moins par la forme, puisque du coup j'ai. Je sais que c'est mon pet qui va faire le plus de dégâts. Genre, comme ça. Cadeau. Allons, un peu trop loin. En vrai, cette arme a l'air très intéressante. Ouais, comment ça marche? Cher.
Ouais, c'est une arme très intéressante là pour le coup. Ok, le regard de l'eau est très intéressant. Chaque augmentation de la vitesse de déplacement de 20 personnes, alors c'est une gestion de pistolet. On fiche. Intéressant. Ça va. La tornade qui veut pas me lâcher. Il y a pas un moment où la tornade me lâche? Bah non. Portable cette tornade. C'est la première fois que je vois ça. J'ai pas la sensation qu'avant la tornade de focusser autant. Intéressant. Augmenter ses PV, c'est coût tout augmenté, hein. Bon, vu que j'ai déjà une arme, du coup, une nouvelle arme. Utiliser la compétence d'armes. Bah, en vrai, quoi. Si je peux me régénérer. Cadeau. Bonjour Gabriel, comment tu vas? Escabouche. Ça va doucement, quoi de beau?
que c'est lui d'abord. Focus sur lui d'abord. Occupe-toi de lui d'abord. Bonne journée. Pas grand chose non plus, je suis en train de découvrir le dernier DLC qui est sorti sur Gunfire Reborn du coup. J'aime beaucoup l'artisan et son ami le mecha. Alors... Oh. Ok, bah profite bien de ton soldat. Hein. 1, 2, 3. Ah, il a proc deux fois, let's go. Cadeau. Alors, est-ce que je peux l'envoyer derrière le mur? Non. L'attaque du mode attaque d'Iron obtient le type d'élément et la chance d'effet d'élémentaire de l'un des synodes. Ok. Merci. Surtout que là le jeu est vraiment en mode tiens, amuse-toi et de la chance. Fouche. Ah non, un peu trop. Là. Voilà. Amusez-vous. Ouais. Allez, pour la forme. Allez, cadeau. Bon après, si vous ne shot pas les ennemis quand je fais ça, tant mieux. Scabouche. Cabouche. Coucher. À propos d'utiliser la compétence principale, 30% de dégâts d'armes, 60% de dégâts de compétences. Peut lancer 8 missiles consécutivement depuis son canon. Autant augmenter les dégâts de compétences. Hein. Alors, juste 30 secondes. Mais non, d'accord. Et je vais dire ça après du coup. Hop. Un, deux, trois. Ça proc deux fois encore. Let's go. Couché.
Ah, j'ai raté. Cadeau. Ah non. Il y avait un mur. Couché. Couché. Toi, tu retiens. Ah, moi, je vais spammer ce sort. Hein. Paf! Il n'y en a qu'un seul qui est focus, c'est pas moi. Alors, j'ai dit c'est pas moi. Cadeau. Pour de l'argent, pour un parchemin ou pour détruire un parchemin. Ralentissement et merci du raid Dimitri. Bienvenue au raideur. Comment est-ce que vous allez? Comment s'est passé le live? Alors, SO Irti Mid. Et merci Miko pour le follow. Alors c'était sur Super Animal Royale. Oh. Donc du coup, hello et bienvenue à Blushy, Imeko. Hello et Serpente. Et merci Blushy aussi pour le follow du coup. Comment allez-vous? Comment s'est passé le live? Alors peut-être que... Évidemment, on propose d'augmenter les dégâts de ma tourelle. Eh bien, j'étais pris à 6 mégas. Eh ben, nice. Y a eu des wins? Deux top 1, nice, GG. F. Ok, je crois que ça commence un peu à 3 one shot. On va voir. Non, ok, ça va, les robustes ils tiennent quand même bien. Bon, eux ils tiennent pas. Oh, si. Si, c'est bon, les monstres divisés tiennent. Alors. Au secours. Prends le focus. J'ai dit, prends le focus. Récupère tout ça. Alors, je le lis après. Ok. Alors, après avoir utilisé une compétence d'âme, 40% de dégâts d'âme, 25% de moins de dégâts de compétence pendant 10 secondes. Après avoir utilisé la compétence principale, 50%. Après avoir utilisé la compétence principale, 50% de dégâts de compétence, 20% de dégâts d'âme. Les deux effets actifs sont actifs en même temps, l'effet forcément est doublé et l'effet de diminution est supprimé. Je vais plutôt prendre ça. Et bah du coup c'est parti pour le prochain niveau.
Et hello Fleury, merci du follow et bienvenue sur le live. Comment est-ce que ça va? Ok, parfait. Va te coucher. Chaud. Alors, ouais, ça se prend. Tant que j'ai pas les 20, de toute façon, j'ai pas trop besoin de réfléchir sur mes parchemins. Et y a rien d'autre. Bonjour. Même pas en rêve. Oh! Après, pourquoi tu sais que je me mire des toits de tombe? Parce qu'à l'heure d'un la prochaine attaque est à coup critique. Quoi? Ok. On peut jouer avec des briques. Non mais pourquoi pas, hein? On découvre. Ah mais sérieux? Cadeau. On va récupérer un peu de pièces. Car plus on a de pièces, plus on fait de dégâts. Cabouche. Cabouche. Ça a failli être un suicide. N'existe pas. Va te coucher. Va te coucher. Va te coucher. Ah, malheureusement, il est derrière un mur, donc. Tiens. Si c'est bon, je peux l'envoyer sur le toit. Intéressant. On va augmenter ces dégâts là. Un, deux, trois. Et encore une fois, je fais du plus 5. J'ai pas mal de chance sur cette run. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger.
Viens! Mais oh! Ah, ok, c'est lui. J'avais pas compris, j'avais pas lu en haut à droite qu'il fallait choper la. Non. 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 Eh ben, t'étais pas rentable, hein. Heureusement, j'avais rien à perdre. Allez, oh le serpent! Tant mieux, c'est celui qui va pouvoir se faire attaquer par mon. Par mon copain. Petite brique. Ah, dommage. On a un plus 3 cette fois. Arrêtez. Alors non, non, non. Alors qu'est-ce que tu proposes? Bon, ça va, c'est un noyau de chaleur que j'ai perdu. Alors. Alors, amateur de foudre, je peux m'en débarrasser. Loup solitaire, je peux le garder. Vitesse anormale, je peux le garder. Toi, je te garde, c'est obligatoire. Je pourrais virer. Je fais de la corrosion. En fait, si je tombe sur un 2 charrettes d'os, je pourrais me débarrasser de lui. Donc, en attendant, déjà, toi, je peux te virer. Toi, je peux te virer. C'est quand même très intéressant. Bon, fallait à la limite, je peux virer celui-là, c'est pas grave. Hop! Alors. Je vais virer une note de choc. On l'améliore! Oh, il fait la tête. Très belle image, n'empêche. L'artois vraiment est magnifique pour le coup. Paf. Je ne devais attaquer qu'un seul ennemi. Bonjour. 1, 2, 3. Et il n'y a rien d'autre. Ah, dommage, il est mort.
aller te coucher? Merci. Cadeau. Cadeau. Alors, obtenir un parchemin pour un parchemin occulte amélioré. Je peux me permettre de faire ça. En rechargeant. Ah! Je pense que j'aurai jamais la chance d'avoir le de Charlotte, donc c'est pas grave. Bouche. Cadeau. Pas plus trop vite, donc ça va être toi. À toi. 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 Ah. Dommage. Donc non, non. Et ben c'est parti pour aller chercher l'autre élite. Le choc c'est tellement débile. Cavouche. Ok. Encore? Non. Mais non. Là, les ennemis deviennent chiants en fait. Alors, tout consommer lorsque le compte des compétences secondaires atteint la limite. Ouais. Transmission supplémentaire ou. J'ai quasi pas le temps d'avoir aucun ennemi autour de moi. Cadeau.
Y'en a un autre focus. Allez, vas-y, on prend celui-là. Les balles commencent un peu à se faire manquer là. Cadeau. Alors, enfin, je peux te virer. Allez, c'est parti pour aller tuer le... l'élite. Et avoir le coffre. On va voir ça. Donc ça va être Mister avec ses... avec son mandrin. Apparaît Cavouche. Voilà, après contre la tempête, c'est fait. Il ne reste plus qu'à gagner la game et normalement je m'en fais deux en même temps. Nope. Always denied. Caboche. Mais non mais... alors toi là-haut. J'ai...
Allez, vas-y, pour faire plaisir. Allez, le nounours. Voilà. Ah, oh, dommage. J'ai pas eu le... C'est quoi alors du coup le cadre exactement? C'était quoi? Ah oui, non, d'accord. Eh ben, L de fer n'a pas été vaincu une fois. Il y a un moment, mon pet est mort? C'est tous les actes, vaincre le pôle monarche, tout en... Ne ramassant que des parchemins occultes de la même qualité. Ah ouais, là par contre c'est... Ouais. Bon déjà dans tous les cas faut faire du solo cauchemar supérieur. On va découvrir sur le tas, du coup, exactement la même chose. Alors, je vais ajouter un truc. Ah, c'est vrai que du coup je dois les toucher à eux, y toucher à eux aussi. Hein? Ah, ok. En gros, c'est là-dedans où on peut récupérer les armes, du coup. Ok. Non, du coup, c'était toi.
Ah, j'avais pas vu celui qui est à droite. Et du coup, avec lui, c'est juste. Obtenez As-3 SP légendaire 200 fois. Ok. Oh, ça va être un système assez spécial, ça. Oh là, va falloir surtout spammer les grenades pour avoir un triple doré. Système va être très spécial. Bon, et du coup ici il faut prendre que une seule sorte de. Ah. J'ai tenté de prendre que des légendaires. Je jouais légendaire ou rien. Ça peut m'aider à avoir plus de chances de choper les cartes en dessous. Alors, 260 dégâts de base. De recharge lors de l'effacement de la nappure, sinon. On va prendre ça. Parce qu'après, apparemment, si jamais il y a des espaces vides, ça augmente encore les dégâts. C'est légendaire ou rien. J'aurais dû vendre, c'est pas grave.
Plus une autre fois, plus de astro aspect grâce à l'astro prévision. Parce que vous consommez la dernière mission du chargeur, les faces à un astro aspect aléatoire. On va essayer ça. De toute façon, c'est encore de la découverte, hein, donc alors j'ai un porteur ici. Non. Légendaire ou rien. Non, c'était pas que je voulais faire. Ok. Je pense que je vais avoir un peu de mal avec ces mécaniques par contre à lui, hein. Oh, premier légendaire. J'ai l'air de se jouer surtout sur l'armure, du coup. De T4 base. Plutôt prendre ça. Je rachète les cartes. Je pense que je vais vraiment avoir du mal avec ce gameplay, vraiment. Ouais. J'essaie vraiment de comprendre, hein. Je pense que j'irai dire ça de mon côté tranquillement. Et là, je vais faire une petite pause. Je vais voir. Ouais, y a pas encore de nouvelle map. Bon. Bon, on va arrêter là pour ici aujourd'hui.
Session de 7 heures, franchement ça va. On va aller voir qui est-ce qu'on peut aller embêter. Eh ben on peut aller raid un petit Adranor. C'est le jeu. Slash raid à Adranor live. Du coup moi je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Je vous dis à demain pour le prochain live. Du coup ben, de retour sur Powerwash pour essayer de terminer la carrière. Peut-être un nouveau Gunfire Reborn, faudra voir en fonction de l'envie, tout ça. Et puis bah du coup, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis bah du coup, à demain pour ceux qui repassent, ou bah à la prochaine dans tous les cas. Bye bye!